Acte 4, scène 3. Bonjour mon petit, tu es venu me divertir? Certainement pas, monsieur. Je ne suis là que pour faire le ménage dans votre chambre. Est-ce vraiment pour cela que tu es venue, petite? Pour faire la chambre? Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre petite argonienne. C'est bien vrai, et charmante en plus, que tes jambes sont musclées et ta queue est bien galbée. Oh, vous me gênez, monsieur. N'aie pas peur, tu ne risques rien avec moi. Je dois finir mon ménage, monsieur, sans quoi la maîtresse aura ma tête. Ton ménage, hein? Dans ce cas, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, occupe-toi de ma lance. Mais c'est qu'elle est énorme, monsieur. Cela va me prendre toute la nuit. Nous avons tout le temps, mon petit. Tout le temps. Acte 7, scène 2. Ciel, quelle grande baguette! Mais est-ce qu'elle rentrera dans mon four? N'enfourne pas cette baguette tout de suite, ma mignonne. Il faut d'abord qu'elle gonfle. Si seulement nous pouvions hâter les choses, comment pourrais-je m'y prendre? Oh, ma pauvre petite femme de chambre argonienne, tu dois te servir de tes mains. Vous voulez que je pétrisse la baguette? Ici? Bien entendu. Mais que se passera-t-il si madame me surprend? Votre baguette était destinée à satisfaire son appétit. Ne t'inquiète pas, mon délicat bouton de fleur. Je satisferai les besoins de madame tout à l'heure. Très bien. Mais j'ai peur que mon four ne soit pas assez chaud, cela pourrait prendre des heures. Tu as tout ton temps, ma mignonne. Tout ton temps.